Dans cette vidéo, tu vas apprendre à détecter ces fameuses priorités à droite. On se retrouve à la fin pour faire un point. Alors, comment détecter une priorité à droite dans une ville? Donc ici, on voit, à droite, il y a une intersection, il n'y a pas de marquage au sol. Donc c'est une priorité à droite. Ok, je me méfie du piéton, c'est bon. On continue nos petites recherches. Donc si le trottoir se termine, s'il s'arrondit, s'il y a un panneau de rue, c'est sûrement une priorité à droite. Ici, le trottoir se termine juste après le passage piéton. Il n'y a pas de marquage au sol. Donc, on est sur une priorité à droite. Pour l'instant, elles sont quand même assez simples à trouver. Donc, il faut quand même chercher. Il faut suivre le regard sur le bord droit. Parce qu'elles ne sont pas toujours très, 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 très belles. Là, je vais tourner à droite. Ici, on voit que le trottoir, il tourne, le caniveau, il tourne. Donc ça, c'est une priorité à droite aussi. Il n'y a pas de marquage au sol. Donc je m'arrête, bien sûr. Je bloque pas l'intersection. Je m'arrête vraiment comme ça, la voiture, elle peut tourner. Je bloque pas l'intersection aux gens de gauche. Je bloque pas l'intersection pour aussi les piétons qui veulent traverser. Là, on a quand même une belle priorité à droite, hein, on est d'accord. Là, je vois après le passage piéton que le trottoir il tourne également, donc ça, on est encore sur une autre priorité à droite. Là aussi, le trottoir tourne, donc c'est encore une belle priorité à droite. Donc on est d'accord, hein, je regarde quand même à gauche, hein, parce qu'à gauche, il y a un danger. Attention, Will, de pas te mettre en excès de vitesse quand même. C'est bon, je suis toujours à 30. On continue notre petite balade. Donc là, on voit. Non, ça, c'est pas une priorité, c'est une sortie de maison. Ça aussi. Ça aussi, il n'y a pas de panneau de rue, donc c'est sortie de maison. Tu as le droit de freiner quand même. Après, il faut pas que tu te mettes vraiment à l'arrêt non plus, parce que. Si tu commences à trop freiner, tu vas devenir gênant par rapport aux gens qui sont derrière. Tu vas devenir un véhicule gênant. Et donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, tu vois, j'ai freiné par rapport aux piétons parce qu'ils auraient pu traverser. Donc là, sur une route comme celle-ci, là, on est sûr à 100% qu'il n'y a pas de priorité à droite. On le voit très bien, on a une très belle visibilité. Donc là, oulala, William, excès de vitesse. Attention William, c'est pas bien. Allez, on va tourner à gauche pour aller voir dans la rue qu'est-ce qu'il y a. Alors ici, on a un petit panneau rectangulaire, donc ça c'est une rue. Donc c'est une priorité à droite, il n'y a pas trop de risque d'avoir des gens, mais c'est une priorité à droite. Donc t'as vu, il y a un trottoir, mais c'est quand même une priorité. On voit le panneau de rue également, le panneau rectangulaire, donc ça c'est une priorité à droite aussi. Ici aussi on voit le panneau rectangulaire bleu, donc c'est une priorité à droite. Donc tu vois, c'est pas toujours facile. Hein. Ici, ça c'est pas une rue, donc ça c'est une petite sortie de maison. Ça c'est une priorité à droite aussi. Donc tu vois, des fois c'est très simple à détecter, des fois c'est pas très simple à détecter. Donc c'est à toi de voir le petit panneau rectangulaire de rue. Si t'es dans le doute, tu ralentis bien. Maintenant, sois pas non plus dans la paranoïa, mais recherche quand même. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien évidemment, ici je vais tourner à gauche, il y a une priorité à droite. Bah oui, il y en a partout. De toute façon, petite rue, zone 30, on est d'accord que... C'est tout le temps de la prio pratiquement. Ils enlèvent tous les stops, tous les cédés de passage, ils mettent de la prio parce que ça casse l'allure des gens. Donc voilà. Je te dis à très vite. Kiffe ta life. Profite bien. Ah, encore une petite prio. Tu vois, celle-là, pas facile. Hein. On voit le panneau de rue. Ok. Bonne visibilité, mais pas facile à détecter. Pardon. Eh bien voilà, maintenant tu sais comment détecter une priorité à droite. Donc je résume, dès lors que c'est une rue, du moins une voie publique, c'est-à-dire que tu as un panneau rectangulaire qui prévient que c'est une rue, une avenue, une cour, une impasse, voilà, tout ça, c'est considéré comme une rue.
Si à ce moment-là, il n'y a pas de panneau ni de marquage au sol, ça veut dire que les gens ont la priorité à droite. Même s'ils ont un trottoir, même si on a l'impression que ce n'est pas une rue, même s'il n'y a que trois maisons, si c'est une voie publique, ça devient dans ce cas-là, sans marquage, sans panneau, une priorité à droite. Donc c'est à toi de faire attention. Maintenant, je suis d'accord avec toi, il y a certains endroits, on ne sait pas trop, on n'est pas sûr. Moi-même, j'ai des endroits, par exemple dans la zone où mes élèves passent le permis de conduire, il y a quelques rues, on ne sait pas trop si c'est des priorités à droite ou si c'est des voies privées. Maintenant, dans ce cas-là, c'est à toi de faire comme si... Moi, je dirais, à ta place, tu fais comme si c'était une priorité à droite. Tu ralentis bien. S'il y a quelqu'un, tu le laisses passer, on va dire. Hein, voilà. Ou peut-être qu'il te fera signe de passer. Mais il vaut mieux être plus prévoyant que de se dire, bah, c'est bon, ce n'est pas une priorité, et j'y vais à l'arrache. Donc voilà. Après, ne rentre pas non plus dans une parano. C'est là où c'est un petit peu compliqué. En général, on voit bien hein, si c'est une voie privée, on voit bien si c'est un chemin de terre, on voit bien si c'est une sortie de maison, on voit bien si c'est un parking. Maintenant, il y a de temps en temps, hein, 1 ou 2% d'endroits sur la zone de circulation où tu peux te poser la question, mais c'est très rare. Allez, j'arrête de t'embêter. À très vite. Ciao, ciao.